de vous. Connectez-vous. J'espère que vous allez très bien. Mettez-vous en ligne. Le combat a pris une autre dimension. Il faudrait qu'Alassane Ouattara tombe. Il doit quitter le pouvoir. Il faudrait que ça soit clair. Je dis Ouattara doit tomber. Dramane va tomber. Il faudrait que ça soit clair. Pour ceux qui n'ont pas encore compris, comprenez. Je vais me mouiller la gorge. On ne peut plus boire du thé. Enrico Cuevitano, maître Ricky Ricky Premier, big up à vous, depuis votre position. Alors, bonsoir, bonsoir à tous et à tout temps pour tous ceux qui ne me connaissent pas. Je suis l'incontournable guerrier qui est complet tout terrain. L'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas froid aux yeux, l'homme qui ne mâche pas ses mots. Vous pouvez aussi m'appeler devant la ville, l'homme n'est rien, gouverneur italien, docteur Mordon, appelez-moi, boum boum, laisse-moi mourir, 5 plein de royal, patrino, camaré, désolé, la mougia. Alors nous voilà à nouveau devant cette caméra pour parler d'Alassane Ouattara. Nous avons déjà dépassé la première phase. Il nous reste la seconde phase. Et cette phase va pousser les moutons d'Alassane Ouattara à le faire tomber lui-même. C'est-à-dire, dans la vie, là, c'est une question d'intelligence. Il ne s'agit pas des muscles. Les moutons d'Alassane Ouattara, ils réfléchissent avec des muscles. Nous, les autres, on réfléchit avec le cerveau. L'heure de la plaisanterie est terminée. Au moment où les opposants à Ouattara ne faisaient rien, ils ne passaient pas à l'assaut. Et puis Titiye Ouattara, cette heure-là est révolue. Opposition Neva Dai. Excusez-moi, je viens. Donc, vous devez savoir que opposition never die in Ivory Coast. That is true. Donc, l'opposition n'est pas encore morte en Côte d'Ivoire. Je faisais des vidéos où je proposais un plan de boycott. Les gens me disaient, mais toi, tu es fou. Tu es ceci. Tu es malade. Vous ne pouvez pas. Si tu es garçon, viens. Mais mes frères, ce que je dis là, c'est ce qui se passe. Je vous dis de l'État qui est en Côte d'Ivoire là. Que le gouvernement dise la vérité aux Ivoiriens. Il faudrait que ça soit. On a tous les dossiers en main. Nous sommes les propriétaires de tous les dossiers. On sait ce qui se passe. De l'estage d'eau et d'électricité qui se passe là. Ouattara n'a pas cœur de dire que c'est un sabotage. Il ne peut pas le dire. Il est obligé de dire non, il n'y a pas l'eau dans les barrages. Il pleut en Côte d'Ivoire là-bas. Il pleut. Ce n'est pas l'eau qui manque. Dramane Ouattara n'a qu'à dire la vérité aux Ivoiriens. Dramane et sa bande là, ils n'ont qu'à vous dire la vérité. Ce qui se passe, je tiens à vous dire que la vidéo que Guégué avait faite, quand je vous dis, quand je sors pour parler, le combat là, ce n'est plus un combat des calaches. Ce n'est plus un combat des muscles. C'est un combat d'intelligence. Et ce qui se passe là-bas là, c'est la première phase. La deuxième phase va arriver. Hein? D'ici, ils vont dire fin du mois prochain.
Je répète, je précise parce que Ouattara ne peut pas, il ne peut pas empêcher ça. Parce que quand je parle, il ne peut pas empêcher ce que je dis, même s'ils sont au courant là, ça va avoir lieu, c'est clair. Ce n'est pas un débat. Est-ce que ce qui se passe là, je n'ai pas dit, j'ai dit, malgré ça là, ça a eu lieu, non? Est-ce que Ouattara et sa bande ont pu faire barrage? Ils n'ont pas pu. Des gens me traitaient de fou. Ça est là. Est-ce que les Ivoiriens qui vivent en Côte d'Ivoire, ils n'ont pas problème d'eau et de courant? Ils ont ça. Ah, tiens. Donc, ça, c'est la première phase. La seconde phase, on va s'attaquer au secteur gazier et pétrolier de la Côte d'Ivoire. Et si ce secteur est attaqué, les Adomoutons là, qui venaient en Ouattara là, c'est eux-mêmes qui vont sortir pour chasser Ouattara. Je sais de quoi je vous parle. Je dis, la seconde phase, c'est le secteur pétrolier et gazier qui sera visé. Ce que je vous dis aujourd'hui là, notez ça quelque part. D'ici la fin du mois prochain, vous allez voir, il va y avoir manque de carburant en Côte d'Ivoire. Pour ceux qui ont les cuisinières qui prennent les bouteilles de gaz pour aller préparer là, vous allez avoir du mal à avoir bouteilles de gaz. Et les chauffeurs qui conduisent et tout, pour avoir carburant et faire vos taxis bacala, vous aurez des problèmes sérieux. Ce qui poussera les Adomoutons là à sortir. Parce que c'est leur gagne-pain dans le transport. C'est là-bas qui sera. Puisque le secteur du transport ne sera pas frappé, c'est le secteur gazier et pétrolier qui sera frappé. Et quand ça sera frappé, non, secteur gazier et pétrolier, quand je dis c'est ce qui sera frappé, je parle de là d'une société. Sinon, j'allais dire c'est là-bas. Hein, c'est ça. Ce sont ces secteurs-là qui seront frappés. Mais quand je dis c'est ce qui sera frappé, alors je parle de la société qui permet à ces deux secteurs, par exemple, ces deux secteurs travaillent de façon concomitante. Donc je parle de la société qui travaille et qui permet à ces deux secteurs-là de produire le gaz et le pétrole en Côte d'Ivoire. Ça sera frappé d'ici la fin du mois prochain. Et quand ça sera frappé, les jours à venir, là, sachez bel et bien qu'il aura manque de carburant. Est-ce que vous comprenez? Manque de carburant et manque de gaz en Côte d'Ivoire. Ce n'est que le début du commencement. Phase numéro 1. On est dedans. D'autres disent qu'ils vont régler, ils vont rien régler. À chaque fois, on va empirer la situation. Il faudrait que ça soit, je vous le dis, cette histoire de délestage là, on ne va pas laisser Ouattara régler ça. À chaque fois qu'il va vouloir régler là, il aura d'autres pannes. On va empirer. On va enfoncer ça dedans. Les Ivoiriens qui ne veulent pas se révolter pour chasser Ouattara, eux-mêmes là, quand ils vont voir que trop c'est trop, et que Ouattara ne peut plus rien faire, c'est eux-mêmes qui vont dire Ouattara, trop c'est trop. On a trop dormi dans l'obscurité. Les moustiques nous ont beaucoup piqué. Donc Ouattara, il faut dégager. On a aussi besoin de trucs. De ventilateur ou bien de dormir sous comment on appelle ça, les splits, comment on appelle ça même là, rappelez-moi là, hein? On veut dormir dans la fraîcheur. Donc Ouattara, comme tu ne fais pas là, non, comme Ouattara tu ne peux pas là, il faut dégager, il met bagage ni kiaké, dégage. Maintenant les militants de Ouattara à dos là, ils n'ont pas dit ils aiment transport. Le transport, le secteur du transport. Ils adorent bien là-bas. Baka, 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 agamé. C'est parce qu'il y a carburant qui fatigue l'oreille des gens, agamé. Ah, c'est wara wara. Hey, Kumasi, Yopougon. Ah, Bobo. C'est parce qu'il y a carburant là qui fatigue les gens. Kumasi. Ce secteur-là sera bientôt frappé aussi. Quand il n'y aura pas de carburant, vous n'allez plus fatiguer les gens, agamé, Kumasi. Et le transport en Côte d'Ivoire sera paralysé. Ça sera dans une paralysie totale. Ce qui poussera les transporteurs, les syndicats à sortir et à manifester. Ils vont certes s'apprendre à la scie. Cette société qui s'occupe de ce secteur, ils vont s'apprendre à la scie. Mais vers la fin, là, ils vont comprendre que c'est Ouattara qui est compétent. Et ils vont dire Ouattara, dégage.
J'ai dit, cette histoire-là, ce n'est pas une question de muscles. Les cons, les incarnés qui montrent leurs muscles, est-ce qu'ils peuvent faire quelque chose? On dit qu'il n'y a pas courant, ils n'ont qu'à prendre les armes pour aller réparer le courant. Ce n'est pas une question d'armes, on prend pour réparer le courant. Votre Ouattara qui est soi-disant économiste, un grand banquier, hein? Il n'a qu'à maintenant prendre sa tête de banquier là pour aller réparer l'électricité. Ou bien l'eau là, il n'a qu'à aller réparer ça, il ne peut pas. C'est un copain là. C'est-à-dire pour réparer, il doit changer tous les appareils qui permettent à la Côte d'Ivoire de produire l'électricité à fond. Ben, c'est tout ça là qui a été touché. Il faudrait que ça soit clair. On est déjà infiltré partout, dans toutes les entreprises, dans toutes les sociétés de Côte d'Ivoire. Et nous allons mettre en mal le fonctionnement de ces sociétés qui permettent à Dramane Ouattara et son régime de travail. Et c'est moi qui donne les idées. Il faudrait que ce soit clair. Mais quand j'étais au RADP, ah, tu es qui? Je dis, je suis qui au RADP, je vais donner des idées aux opposants et ils vont appliquer ça. Quand il y a des réunions, je suggère ça. Et ce que je vous dis là, c'est que ça sera appliqué. Ça sera appliqué trait pour trait. Prenez ça à la légère, mais ne soyez pas surpris de voir qu'il n'y a pas, il n'y a plus de gaz. Donc vous, peuple ivoirien, vous qui résidez en Côte d'Ivoire, c'est le moment de vous alimenter en gaz, bouteille de gaz. Si tu avais pour habitude d'avoir une seule bouteille de gaz, mon frère, paye au moins 5 bouteilles de gaz, il faut faire réserve. Parce qu'à un moment donné, ça va manquer. Madame, tu es aussi concernée. Paye 5 bouteilles de gaz pour faire réserve. Parce qu'à un moment donné, Ouattara ne pourra plus vous alimenter en gaz. Toi, chauffeur de Baka ou de taxi, toi qui vas d'habitude dans les stations-service pour te servir le gasoil ou bien l'essence, garde, cherche des barriques de 200 litres. Là. Tu vas remplir essence là-bas pour mettre ça chez toi à la maison. Parce que bientôt, là, essence, gasoil, tout ça, ça va manquer. Je dis, Ouattara, ce qu'il n'a jamais vu là. On va lui montrer ça. Il n'est pas dit, il est bandit. De nos jours, on ne paye plus les armes. C'est l'intelligence. Il faut utiliser. La guerre est hybride maintenant. La guerre est devenue une guerre hybride. On ne prend plus les kalachs. On mène la guerre de façon intelligible. Et on pousse le peuple à démettre le président de ses fonctions. Et ce n'est pas les gens de l'opposition qui vont le faire. Qui vont mettre à la Sainte Ouattara hors d'état de lui. Les gens de l'opposition, ce qu'ils peuvent faire, c'est ce que nous faisons. C'est de mettre en mal le fonctionnement des différentes sociétés qui permettent à la Côte d'Ivoire de fonctionner. C'est-à-dire, nos agents qui sont partout, et le peuple qui n'est pas d'accord avec Ouattara, c'est pour boycotter, c'est de boycotter l'électricité, l'eau et le secteur pétrolier. Il faut boycotter tous ces secteurs. Pour mettre en mal le gouvernement de Dramane Ouattara. Et quand tout le monde sera affecté par ces incompétents de Dramane Ouattara et son pouvoir, tous les Ivoiriens vont sortir comme un seul homme. Il n'y aura plus de pro-Ouattara, pro-Babo, pro-Bédier, pro-Soro, pro-Blé-Goudé, ou pro-Afi ou Gessa, ou bien pro-Kakabé. Les Ivoiriens seront unis, ils vont tous sortir et réclamer le départ de Dramane. Parce qu'à un moment donné, la gouvernance de Ouattara sera amère dans la bouche ou dans les oreilles des pro-ados. C'est eux-mêmes qui vont le chasser. Parce qu'on sait que Dula, avec son histoire d'argent, il ne rigole pas. Donc si le secteur est attaqué et puis ils ne gagnent plus leur argent, là. Mais écoutez, ils vont devenir des bandits en Côte d'Ivoire. Mais je le dis avec assurance. Siaka Doumbia, il dit, je connais quelque chose. J'espère qu'à Bobo, vous avez commencé à pleurer, non? Quand je parlais hier de boycott, c'est moi qui ai donné l'idée, il faut cibler ça. Laissez une sorte de calache attaquer là, parce que sur ce plan-là, voit très très violent, et il s'est alimenté en armes, il est prêt à écraser n'importe qui. Donc, il faut déplacer la guerre ancienne, la guerre archaïque en une guerre hybride.
Sur ce plan-là, Ouattara, il est nul avec ses éléments. Parce que eux, là, ce sont des muscles qu'ils ont. Ils réfléchissent avec des muscles. Ils n'ont rien dans leur tête. Tout ce qu'ils ont là, c'est coup de poing. Hey, hey, les Kalash. Donc, déplacer la guerre sur le front des coups de poing et amener ça sur le front des idées. Là-bas, là, le gouvernement de Draman et sa bande militante seront coincés. Ils ne pourront rien faire. Et mais c'est ce qui arrive. Est-ce que vous êtes capable de relever le défi? Je sais, certes, ça va affecter tous les Ivoiriens dans leur ensemble. Mais c'est le prix à payer pour libérer le pays. C'est le prix à payer pour bouter Ouattara de là où il est. Et lui-même, il sait que son pouvoir est menacé. Parce qu'au moment où le peuple n'est plus satisfait, s'il y a un problème, personne ne pourra encore prendre sa petite poitrine pour aller défendre Ouattara. Parce que lui-même, il sait qu'il n'est pas satisfait sous le règne de Ouattara. Il va aller défendre quoi? Quelqu'un, il est là, il est au pouvoir, il te maltraite. Et puis, ils vont dire, c'est chaud, tu vas t'élever pour aller le défendre. Tu vas aller le défendre pour faire quoi? Il te donne quoi? Qu'est-ce que tu gagnes sous son règne? Rien du tout. Ce n'est que la pauvreté, la misère. De l'instant, il va te tuer, moustique te pique. En retour, tu as le paludisme. Tu ne peux pas te soigner parce que les hôpitaux manquent d'appareils pour satisfaire le peuple ivoirien. Donc, voici, personne ne peut le défendre. Donc, c'est sur ce plan-là qu'on mène la guerre. Et je dis ça aux yeux du monde entier parce que je sais que c'est des gens irréfléchis, ils ne peuvent rien faire. Et ce que je dis là, ça va avoir lieu. Ne soyez pas surpris si un bon matin on dit là, si il y a eu explosion, il y a eu incendie, ça ne va pas, la société est en panne. Ou bien il y a eu une panne technique, on va régler ça. Mes frères, ne cherchez pas ailleurs parce qu'ils ne vont pas avouer la vérité aux yeux du peuple, parce que le peuple va dire, mais vous êtes incompétents, vous étiez où? Ceci, cela. Ah, mais écoutez, moi, mes parents ont terre, ils ont terre. Si tout coupe, mais ils vont aller habiter au village. Mais qu'est-ce il y a bougie. Ils vont dormir avec les bougies. Est-ce que vous comprenez? Au village là-bas, il y a chien. Ils vont manger banane, taro, manioc, igname. Est-ce que vous comprenez? Donc, si ça ne va pas là, c'est ceux qui n'ont pas terre en Côte d'Ivoire qui vont souffrir. Ouais, ils vont aller dans quel village? Ils seront condamnés à rester à Abidjan. Oh, pourtant, Abidjan, là, il ne va plus avoir l'électricité. Ça va être difficile. S'il n'y a pas de carburant et tout, leurs groupes électrogènes vont fonctionner comme en question. Alors, donc, voici le problème. Donc, c'est ceux qui n'ont pas village là qui vont souffrir. Tout est calculé. Et l'offensive, deuxième partie, va être lancée d'ici la fin du mois prochain, je vous le dis. D'ici la fin du mois prochain. Voilà. Siaka Doumbia, il dit, je connais pas les réalités. Toi qui connais les réalités, là, il faut réparer l'électricité et l'eau d'abord, avant de me parler. Comme tu connais les réalités, là, il faut réparer ça. Je vous dis, c'est un sabotage. Ce n'est pas autre chose. Le communiqué, vous savez que le gouvernement ivoirien la ment beaucoup. Il dit, non, les eaux ont diminué. L'eau n'arrive plus à alimenter les barrages en bon. Donc, c'est cette année seulement, là, l'eau a diminué. Pendant toutes ces années que Ouattara fait au pouvoir, là, ou bien la sécheresse qu'il y a eu en Côte d'Ivoire cette année-là, c'est trop. Je demande aux Ivoiriens s'il y a eu une forte sécheresse en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'il y a eu une très grande sécheresse en Côte d'Ivoire là-bas? Les gens, ils sont là, ils vous mentent, ils vous blaguent parce qu'ils sont incapables. Ils savent ce qui se passe. Si Tiene Brahima passe son temps à faire ratissage, il court et puis Alassane Ouattara a peur. Il dit à coup d'état, tout le temps il parle de coup d'état. Il sait ce qui se passe. C'est vous les militants moutons là qui ne savez rien. Nous on sait ce qui se passe. Ils vont beau faire leur yaya là. Ils vont beau faire. Ils ne vont pas ramener le courant de façon normale. Il faudrait que ça soit clair. Ils vont vous donner courant 3 heures de temps, 5 heures de temps par jour et puis ils vont brasser ça. Ils vont couper ça. L'eau aussi, il y a d'autres qui seront servis, d'autres non.
ça va alimenter les tensions au sein de la population. C'est ce que nous visons. On va attaquer d'autres secteurs. Parce qu'en faisant ça, ça paralyse l'économie. C'est là-bas, c'est sur ça qu'il compte et puis il fait la grande gueule. En frappant ça, là, ça paralyse l'économie. Parce que les gens ne peuvent pas bien travailler. Aujourd'hui, là, le travail est numérisé. Donc, les gens ont besoin d'ordinateurs, de certaines choses pour travailler. Pendant qu'il est en plein boulot, courant, court, boum, tout est tombé, alors il est obligé d'aller à la maison. Il ne va pas travailler, l'argent ne rentre pas. Mais vous pensez que c'est une petite affaire? J'ai dit, ça a été travaillé de façon minutieuse. Boitra va mordre la poussière. Et son gouvernement, ça là, s'il a tenu jusqu'en 2025, c'est que vraiment c'est un garçon. Je ne pense pas, même en 2021 là, tenu jusqu'à fin 2021 là. Ah, Ouattara, si tu as tenu jusqu'à fin 2021, c'est que tu es un garçon. Il se peut que Ouattara ne termine pas son mandat. Il se peut que Ouattara ne termine pas l'année 2021. Je sais de quoi je vous parle. Donc ne vous inquiétez pas, soyez prêts. Ne vous inquiétez pas, le truc, c'est-à-dire les écoutes téléphoniques, ils ont mis tout le monde sous surveillance, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Même les grandes puissances qui ont les technologies les plus avancées là, ils n'arrivent pas à maîtriser tout le monde. Et d'autres commettent des exactions sur le territoire. Donc ce n'est pas la Côte d'Ivoire qui demande l'aide des grandes puissances pour dire aidez-nous, on va contrôler le peuple. Quelle que soit l'aide des grandes puissances, ils ne pourront pas contrôler les 26 millions d'Ivoiriens. Il faudrait que ça soit clair. Ils ne pourront pas les contrôler dans leur totalité et leur globalité. Voilà. Est-ce que vous comprenez? Donc, je ne suis pas là pour durer. J'étais venu pour vous donner des informations. Voilà, ça c'est une courte vidéo pour dire aux Ivoiriens que ce qui se passe de l'estage là, c'est un boycott national pour empêcher Dramane Ouattara et sa bande de travailler normalement. L'objectif visé, c'est de pousser le peuple dans les rues. Je le dis parce que je ne le cache pas. Et c'est clair. D'ailleurs, les Abobolais ont commencé à manifester en vélo, ils tapent pour les trucs. Ça n'a pas encore commencé chez les Abobolais. Ce n'est que le début. La phase numéro 1, c'est ça. Ça n'a pas encore commencé. Quand le secteur pétrolier et gazier seront attaqués là. Non. Quand le secteur pétrolier et gazier sera attaqué, c'est là maintenant vous allez bien sortir pour taper vos, je ne sais pas, casseroles, marmites, djoumbré et tout ça, ou les pilons, pour réclamer la démission de Ouattara. Parce que je sais que Abobo vit grâce au taxi, au transport. Est-ce que vous comprenez? Le fief de Ouattara, là, c'est-à-dire la base de Ouattara, là. Ces gens-là suivent Ouattara parce qu'ils ont encore la chance de conduire encore les bacs, les taxis et je ne sais pas, les motos au nord là-bas et consoles là. Voilà pourquoi ils soutiennent encore le Ouattara. Mais quand ce secteur va être frappé et puis ils vont dire qu'il n'y a plus de carburant, vous connaissez Dula, avec son jeton, il ne joue pas. On dit qu'il n'y a plus de carburant, c'est eux-mêmes, mais viens, mon baraté, mon côté, c'est qu'à. Transporteur, taxi ni roule. Oh non, 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 viens, il y a maille, il était calé sur porte. Ah oui, et c'est l'âme. Maintenant, ils vont sortir pour le chasser. C'est eux-mêmes qui vont le chasser. Nous, on est tranquille et on va faire comme s'il n'y avait rien. On va faire comme si on ne voyait rien. C'est eux-mêmes là. Ils vont danser entre eux. Ils vont taper les yeux des jambes entre eux. Et ils vont se laisser entre eux. C'est clair. Est-ce que dans ça, c'est-à-dire pour combattre Dula, il faut avoir l'intelligence. Mais Dula, lui, c'est muscle. C'est le muscle, poitrine. Hein? Et quand il est là, il tape la jeté. Il est celui qui l'a. Écoutez, nous,
Les autres là, on est assis et puis on réfléchit. Mais quelqu'un qui tape les yeux des gens qui disent, il est connu loin, connu, connu. Quand ils font ça là, ils n'ont qu'à finir de danser. Pendant qu'ils dansent, mon frère, tu utilises l'intelligence pour frapper. Et c'est ce que nous faisons. Ils n'ont qu'à compter sur les connes Zacharia, les Morou, et je ne sais pas quoi là. Eux là, ils connaissent quoi? Dans l'histoire de trucs de sabotage. On dit, il n'y a pas courant, Morou va faire quoi? Lui-même, il va dormir dans... il va dormir d'après mon écran, dans l'obscurité, il ne pourra rien faire. On dit, il n'y a pas l'eau, il va faire quoi? Ou bien lui-même, il va aller chercher son eau à part. On dit, il n'y a pas l'eau dans le robinet, tu vas faire quoi? Tu vas aller boire l'eau depuis. C'est quand tu buvais, quand tu étais né là, tu vas te retourner jusqu'à la source pour aller boire l'eau depuis. À un moment donné, tu vas dire, viens y à nous allons faire mordre la poussière, Draman. Je dis, Dieu, c'est le cerveau. Je suis celui qui. Je connais le RATP, je sais comment ces gens-là fonctionnent. Je connais leur mentalité, mes frères, Atia. Je dis, les Dieu sont sur terrain. On est loin, ces Ivoiriens, nous sommes loin, on sait, mais on est avec vous. Nous sommes loin, certes, mais ne craignez rien. Draman, pendant qu'il nous attend sur le plan militaire, ce n'est pas le plan militaire. C'est le plan du sabotage national. Dozo, c'est fait quoi même? Le Dozo est là. Ouattara dit Dozo, il est là, il a son fusil de truc de chasse. Et puis tu dis à Sriki, il dit, oh, président du Kaïl est blaya. Tu dis à Ibn Nao, pas les dobe. Il dit à Ibn dit, je t'ai réparé. Tu dis oui. Mais frère, pendant que Siri qui a son fusil de chasse, tu rentres. Excusez-moi. Où est même le truc? Je vais. Oh, mais. Désolé. Excusez-moi. Mais on va un peu rigoler. Siri qui. Depuis quand Siri qui s'est surveillé société? Oh. Excusez-moi. Ouattara, il pense que c'est une armée, il a. Hein. C'est des gens, ce qu'il a là, c'est des gens, ils sont prêts à mourir, à faire n'importe quoi. Mais sur l'autre côté là, quand ça arrive là-bas, Ouattara ne peut plus. Son armée là, c'est une armée idiote. Il met les doseaux, il dit surveiller les coins stratégiques. Et il met barrage, il surveille. Hein. Hein? Barrage bio, ni à Toko le met barrage bio, ni à Yamé, non. Ni... Pendant qu'il surveille, tu te mets dans le de CIE. Est-ce que lui il connaît les travailleurs de. tu as mané de créer et de tournevis, tu as porté. Casque de tricot d'un agent de CIE, de la CIE. Il te voit et puis tu rentres. Il va faire quoi? Il connaît rien. Ou bien quand tu vas, tu vois qu'il n'y a personne, tu dis, ah, il faut ouvrir parce que voilà, je vais réparer, il y a urgence. J'ai oublié les clés. Il dit, patron, il ne va pas penser que tu es un mercenaire. Est-ce qu'ils savent lire? Tu as une fois ce carte d'un agent de la CIE. Ah, patron, c'est lui-même qui court, il ouvre la porte. Ou bien le portail. Tu dis, ma foi. Tu rentres, il retourne à sa poste. À son poste plutôt. Il retourne à son poste et toi, tu rentres à l'intérieur. Tu bricoles tout, tu mélanges tout. Quand tu tournes le dos, pendant que tu es à 2 km, explosion, guillaume. Il dit moulo. Tout est paralysé. Sur le plan national, il n'y a plus de trucs.
On lui demande, mais qui avait, il dit, mon gars, donne Nanaya. On dit, mais c'est qui? Il dit, ah, c'est qui? Il m'a allé l'ordre. Mais, on dit, Madou. Donc, excusez-moi. Voilà. Donc, voilà, sur ce plan-là, on sait que c'est des gens, ils sont pas intelligents, vous comprenez? C'est des gens, ils sont pas réfléchis. C'est des gens, ils n'ont pas été trop à l'école, et Ouattara les a ramassés dans les cordonneries, dans les ramasseurs de trucs de poubelles. D'autres étaient des petits balanceurs. Il a fait d'eux des mercenaires, plutôt, il a fait d'eux des tueurs à gages. Et c'est ceux-là qu'il a positionnés dans les coins stratégiques, dans le but de surveiller les entreprises et consorts. Mais nous, on sait comment faire avec eux. Parce qu'ils ne sont pas bien payés. C'est des gens qui ne sont pas bien payés d'ailleurs. Ils sont fiers de porter des treillis ou bien des tenues de l'armée ivoirienne. Mais chaque fête du mois, ils ne sont pas bien payés. On leur donne un salaire de misère. Donc, quelqu'un qui imite les agents qui travaillent sur le lieu. Eux, ils viennent. Regardez-moi un genre, par exemple, un policier ou bien un militaire qui se dit il est le vigile d'une société et tout. Tu viens, tu dis, ah, c'est comment? Et toi, tu dis, mais bon, tiens 100 000 francs CFA. Va, achète-moi quelque chose rapidement. Il est pressé, on dirait d'y aller, mes frères. Il oublie. Il oublie son rôle. Pendant qu'il est là, acheter, tu dis, va, il y a un garbaman là-bas, là. Tu lui donnes une somme de 100 000 et tu lui donnes 10 000. À part, tu dis 10 000 là, paye-moi Garba et puis tu m'envoies la monnaie. 100 000 francs là, c'est pour toi. Parce que tu es un bon élément, je t'ai remarqué. À chaque fois que je viens travailler, vraiment tu fais bien ton travail. Donc il est convaincu que tu es un élément de la place. Oh, pourtant c'est blagueur Dieu. Il court, il s'en va chercher un truc. Il s'en va chercher Garbadrome. Pendant ce temps, toi, tu mélanges tout et puis tu t'en vas. Il vient avec l'argent, il vient Garba. Il n'y a plus de trucs. Il n'y a personne. Il dit comédien. Mais ce que j'avais prédit là, est-ce que c'est pas ce qui se passe? Je vous parle en humour, mais ce que je vous dis, prenez ça en compte. Voilà. Regardez bien mes anciennes vidéos. Avant cette histoire de délestage, c'est moi, j'ai dit, il faut frapper ce côté-là. Pour plonger le pays dans l'obscurité et pour empêcher les habitants de Côte d'Ivoire d'avoir l'eau. En retour, là, personne ne va leur demander de sortir. Eux-mêmes, ils vont sortir pour chasser Ouattara. Mais ça ne va pas encore. Ce n'est que le début. Pour le moment, ils grognent, ah, courant. Même le jour viendra où eux-mêmes, là, ils en auront marre et ils vont sortir. Mais comme ils ne veulent pas sortir, on va encore empirer la situation. Voilà pourquoi je dis, d'ici la fin du mois prochain, le secteur pétrolier et gazier sera frappé. Il faudrait que ça... Ah! Le secteur pétrolier et gazier sera frappé. Ce qui provoquera un manque de carburant sur le plan national. Ce qui réduira le transport en Côte d'Ivoire. Ce qui mettra en colère les transporteurs de Côte d'Ivoire. Et particulièrement les militants de Ouattara. Je sais de quoi je vous parle. C'est déjà, ils adorent l'argent. Ils n'ont qu'à leur priver de leur baka ou de trucs en waro ou taxi compteur pendant un mois. Vous allez voir leur vrai visage. Madou, il ne va plus au travail. Madou ne travaille plus. Il n'y a pas l'argent. Et Ouattara va tenir des discours devant lui. Mais mes frères, la colère s'explose. C'est eux-mêmes, ils ont déjà commencé à manifester pour dire qu'ils ne gagnent pas de boulot. Et ceux qui sont encore dans le petit secteur de transport là, ils vont leur dire qu'il n'y a plus qu'à bilan, donc on reste garer vos voitures. Ah! Ils vont dire, ah, mais Ouattara supporter qu'à maison ici qu'il y a. Pendant ce temps, c'est avec qui ils veulent se battre. Les Gors, les Soroïs,
Tout cela, eux-mêmes là, ils ne vont pas sortir. C'est vous-même, entre vous, les prouvatres là. Parce qu'il y a d'autres qui vont être contre. Et d'autres vont dire, non, ah ben, viens nous supporter. D'autres vont dire, hé, Dakar, si à toi, Athènes, viens nous supporter. Athènes a supporté. Baraté, un mot brité, c'est qu'à rouler. C'est ça. Et puis, les militants du RADP vont se diviser. Et ils vont se malmener entre eux. Ce qui va pousser le parti à être fragilisé. Et Ouattara n'aura plus le contrôle de la situation. Et à chaque fois qu'il voudra réparer, on va attaquer encore pour empirer la situation. Et ça prendra d'autres secteurs pour empirer la situation. Et vous allez constater que Ouattara ne finira pas l'année. Donc, s'il veut, il n'a qu'à acheter les armes nucléaires et tout pour déposer ça en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. L'intelligence de la guerre hybride nous pousse à viser certains secteurs qui vont pousser le peuple. Hein, les secteurs qui ne vont pas affecter seulement le gouvernement. Parce que si c'est le gouvernement uniquement, ils ne vont pas faire savoir ça au peuple. Mais les secteurs qu'il faut frapper pour affecter tous les Ivoiriens qui sont en Côte d'Ivoire. Hein? Tous ceux qui vivent en Côte d'Ivoire pour qu'ils puissent sentir l'impact de la chose, c'est ça qu'il faut frapper. Ben, si on vise seulement les dirigeants là, ils vont pas, ils vont cacher ça, ils vont faire croire que tout va bien et le peuple hein, qui sera ignare ne saura pas ce qui se passe. Voilà pourquoi il faut toucher les secteurs qui intéressent tous les citoyens ivoiriens. Les secteurs qu'il faut frapper pour que ça puisse avoir de l'impact sur chaque citoyen ivoirien, c'est ça qu'il faut frapper. Mais c'est ce qui est rentré truc en cours. C'est la première phase. Deuxième phase est en préparation. Ne soyez pas inquiets, je le dis, mais ça va arriver parce que Ouattara ne peut pas contrecarrer ça. C'est ça. Faites-moi confiance. Il ne peut pas empêcher cela. Vous dites, mais c'est qu'on va faire, on ne dévoile pas. Je dévoile. Parce que je suis sûr qu'il ne peut pas empêcher cela. C'est clair. Il ne peut pas empêcher ça. Et ça arrivera. Ça arrivera. Donc moi, je vous avertis d'avoir plusieurs bouteilles de gaz chez vous. Parce que si vous ne le faites pas, vous serez dans l'obligation d'utiliser le charbon. Vous voyez, gaz va finir sur le marché. Le gaz, là, ça va finir sur le marché. Vous qui avez les véhicules, achetez des barriques pour mettre un carburant dedans, déjà, pour garder ça chez vous à la maison. Comme ça, vous pouvez alimenter vos véhicules en carburant. Parce qu'un moment viendra, d'ici 2 mois, je dis bien d'ici 2 mois, il n'y aura plus de carburant en Côte d'Ivoire. À compter de ce jour, jusqu'à 2 mois, là, il n'y aura plus, je dis bien, il n'y aura plus de carburant en Côte d'Ivoire. Le peu qui va rester là, les ministres et les dramans, là, eux, ils vont confisquer ça. C'est les DG du pays, là, ceux qui sont les différents directeurs des différentes sociétés, ils vont confisquer le peu. Là. Et le peuple ne va rien avoir. Il faudrait que ça soit clair. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Ceux qui n'avaient pas cru aux paroles de Guégué, quand je disais qu'il fallait, les secteurs allaient être frappés, ils ont dit, oh, toi, tu es fou, viens faire ça. Mais vous êtes en train de pleurer à ce moment là-bas. Vous pleurez déjà, histoire de délestage. Ce n'est que le début du commencement. Prenez-moi pour un fou. Mais ce que je vous dis, à chaque fois que Guégué dira quelque chose, hein, au public, cela va arriver là-bas. Je sais de quoi je vous parle. Si je viens et que je parle de ça, c'est parce que c'est un truc qui est déjà en cours. Ça est déjà en cours de téléchargement et ça va arriver. Voilà, ça va arriver. Il y a des gens qui utilisent d'autres cyberactivistes qui sont proches de moi pour m'appeler et essayer de me soutirer des informations. Écoutez, ne perdez pas votre temps. Guégué, hein. Il n'est pas idiot. Vous pensez que vous allez, parce que quand j'étais au sein du RADP, j'avais des amis, donc ils envoient des gens pour m'appeler pour dire, Guégué, c'est comment? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui se prépare? Dis-nous, c'est toi qui...
je ne dis rien. Voilà. Seulement, vous pouvez avoir une toute petite information à travers mes directs. Sinon, les vrais dossiers sont cachés. Je dis bien, les vrais dossiers là sont cachés. C'est clair. Donc, on va se laisser partager le direct et appeler vos parents pour informer vos différents parents. Appelez vos parents pour les informer. Ce que je vous dis, ce n'est pas de la plaisanterie. D'ici 2 mois, les Ivoiriens auront du mal à se déplacer, à circuler en Côte d'Ivoire parce qu'il y aura une pénurie de carburant en Côte d'Ivoire. Voilà, pays producteur de pétrole n'aura plus de pétrole. Il faudra que ça soit clair. Tout sera saboté comme il se doit et cela va arriver. Et c'est là qu'on va voir si Ouattara pourra sauver son fauteuil. On va voir si Ouattara pourra sauver son fauteuil. Et on va voir si les militants moutons d'Ado, là, ils aiment réellement Ado. C'est là qu'on va voir s'ils ont un amour pour Alassane Ouattara. Vous voyez, c'est leur secteur qui sera visé. Le secteur du transport. Vous voyez, qui dit carburant dit chauffeur de taxi ou bien chauffeur de baka. Quand ça sera frappé, on va voir s'ils ont un amour pour Ouattara. Entre leur vie et pour Ouattara, là, on va voir qu'est-ce qui les intéresse. Est-ce leur gagne-pain qui les intéresse ou bien le règne de Ouattara au pouvoir qui les intéresse. On va voir. C'est là on va voir s'ils ont un amour profond. Mais je sais que non, ils vont péter les plombs. Ils ne pourront pas. Lassine Sanogo, il dit beau rêve. Ce n'est pas un rêve. Je te dis la vérité. Je te dis la vérité. Entre toi et moi, on va voir dans 2 mois, là, d'ici 2 mois, là, on va voir qui de toi et de moi a vraiment raison. C'est ce que vous aviez dit. Quand j'ai dit on allait frapper l'énergie, le courant, et l'eau, vous avez dit, ah, Guégué, tu es fou, viens faire ça, tu penses, le pays est géré. Ah, ça n'a même pas encore fait 2 mois, vous pleurez déjà au pays là-bas. Et Ouattara, pour cacher ça, il dit, non, c'est l'histoire des barrages. Ce n'est pas barrage. Il n'y a pas de sécheresse en Côte d'Ivoire, il pleut. Il pleut en Côte d'Ivoire là-bas, il pleut. Si c'est pluie là, il a plu même. Il n'y a pas de cela en 3 semaines. Il y a eu une grande pluie, il n'y a pas de cela 3 semaines. Alors, il nous dit, non, c'est les eaux ont tari. Quelle eau qui a tari? Rien n'a tari en Côte d'Ivoire. Je dis bien, rien n'a tari. Ils vous ont montré un barrage où l'eau était un peu basse. Mais oui, les barrages fonctionnent comme ça. On n'a pas besoin à ce que l'eau soit remplie pour que le barrage fonctionne. Les barrages ont toujours fonctionné comme ça. Donc, Ouattara ne vous dit pas la vérité. Il sait ce qui se passe. C'est une question d'honorer son gouvernement et de faire croire aux gens que non, il est puissant et que personne ne peut saboter ça. Mais il sait, ils sont au courant que c'est un sabotage. Et moi, ce que je dis c'est un sabotage. Je ne rentre pas dans les détails. Prenez ça comme ça. Et il y aura d'autres sabotages. C'est clair. Je dis, il y aura bel et bien d'autres sabotages. Parce qu'on doit viser le secteur des militants de Ouattara. Le secteur des militants de Ouattara, là, c'est le transport. Et qui dit transport, dit pétrole. Dit carburant, dit gaz. C'est là-bas qu'on va frapper. Parce que s'il n'y a plus de gaz, mais ceux qui sont là, ils font, qui font la soudure pour souder les remorques. Parce qu'il y a d'autres qui utilisent le chalumeau pour faire la soudure et tout. Mais ils seront en manque de gaz. Ils vont aller utiliser les électrodes pour souder. Or, pourtant, ils n'ont pas l'habitude d'utiliser ça. Donc, non seulement ça va mettre leurs travaux en péril. C'est le secteur des militants de Ouattara qu'on va viser la prochaine fois. Non seulement ça va toucher le gouvernement, mais ça va atteindre la majeure partie des militants d'Adomouton. Vous pensez qu'on est... Nous, on calcule, hein, on est très intelligent. C'est vous qui êtes des muscles. On regarde au pays d'abord, on dit, si on frappe là, non seulement ça va toucher tous les Ivoiriens. Maintenant, il y a des secteurs qu'on va frapper pour que ça puisse avoir de l'impact sur les militants de Ouattara. Et c'est ce secteur-là qu'on a visé. Les travaux sont en cours. On va élaborer ça et agir. Et vous allez voir, vous les Adomouton, on va voir si vous aimez Ouattara réellement.
Quelqu'un qui n'a pas courant. Il n'y a pas l'eau. Il a du mal. Le soir même là, chaleur va le tuer. Maintenant, on lui dit non, il ne peut plus aller conduire son véhicule pour envoyer l'argent. Tu as femme, tu as enfant. Tu fais comment pour manger? Mon frère. Ah, c'est braquage, vous allez faire. Dans l'histoire de braquage là, Ouattara encore, il va vous tuer. C'est là que c'est ça qui va vous énerver. Vous dites l'armée de Ouattara. Ah oui, mais c'est clair. Mais qui va s'en prendre à vous? On sait, s'il n'y a plus de travail à votre niveau, vous allez vouloir braquer. Et c'est dans ça là. Tiens, Brahima la fiole, il va envoyer ses encagoulés pour vous éliminer un à un. Et quand il va vous abattre, vos femmes, vos enfants vont s'énerver, vos parents vont s'énerver. Mais qui est au pouvoir? Vous n'allez pas accuser quelqu'un d'autre. Vous allez dire l'armée de Ouattara nous a tués. Voilà le problème. Donc, c'est tout ça qu'on vise. On a calculé tout ça. Et on sait. À moins que le gouvernement ivoirien laisse les voleurs faire ce qu'ils ont envie de faire. Parce que quand ça sera touché là, le vol va se multiplier. Les agressions vont se multiplier. On sait. Doula ne peut pas laisser son jeton passer. S'il ne travaille pas une semaine, deux semaines, il va prendre couteau. Il va prendre pistolet pour aller agresser. Et c'est dans ça là. Tiens, Brahima la fiole. Et ces encagoulés vont l'allumer. Et quand ils vont l'allumer là, est-ce que les autres Doula vont accuser encore l'opposition? Ils vont pas. Ils vont dire que c'est Ouattara qui est en train de tuer les Doula. Ils ont tué mon enfant. Ils vont se révolter contre le gouvernement. Voilà tout ce qu'on a calculé. Et ce que je dis là, c'est un fait. C'est un fait. Donc voici un peu. Tout a été élaboré, on sait, parce que je connais leur mentalité, on connaît leur manière de raisonner, on sait comment ils fonctionnent. Quand tu connais quelqu'un, tu sais par où frapper pour atteindre. Donc on va frapper là-bas, on va vous atteindre. Donc c'était ça, et je pense que voilà, cela va voir le jour. Les membres de l'opposition, laissez-les, ils n'ont qu'à annuler les meetings qui ont été programmés, ils sont là annulés, ils cherchent pas là, laissez-les. Un moment viendra, c'est eux-mêmes qui vont chercher les opposants à aller faire des meetings. Mais quand eux-mêmes ils seront affectés par les impacts du boycott ou du sabotage, quand je parle de boycotter les trucs là, je veux parler du sabotage. Eux-mêmes, quand ils vont sentir l'odeur du sabotage, c'est eux-mêmes qui vont dire, venez manifester, venez manifester. Parce qu'ils seront contre leur propre gouvernement. C'est clair? Ce n'est pas une question de haine, mais c'est un fait. Je vous dis ce qui va se passer. Vous savez, vous connaissez Guégué. Ce qui va se passer, c'est ce que je vous dis. Vous pouvez prendre ça au sérieux comme vous pouvez négliger. Que vous preniez ça au sérieux ou pas, ce qui est sûr, on va frapper. C'est clair? Est-ce que dans ça, là, il y a dialogue? Il n'y a pas de discours dedans? Quelles que soient les dispositions que vous allez prendre, ça aura lieu. Est-ce que... Les gens rigolent. Ça verra le jour. Je vous le dis avec certitude. Oui, je suis sûr. Je ne vous parle pas de guerre. Voilà des gens. J'avais dit non. Que c'est des gens. Il y a Gigoz, Zébi. Voilà des gens. Ils réfléchissent par les muscles. Je vous avais dit que c'est des gens. Ils aiment bien les muscles. Ils n'ont pas le cerveau. Je leur parle de trucs. Eux-mêmes là, ils vont rien voir dedans. Courant là. Est-ce que vous ne subissez pas? Vous avez vu la personne qui a fait ça. Même Draman même, il n'a même pas vu dedans. Ces services de renseignement n'ont rien vu dedans. Je vous le dis. Et vous allez voir quoi, mais vous n'allez rien voir. Mais c'est l'impact. Ça va vous trouver à domicile. Vous allez ressentir la douleur chez vous. Mais vous n'allez rien faire. Parce que ce n'est pas une question de muscles. C'est une question d'intelligence. Et où on a appris qu'on a intelligence, les ados moutons ne sont pas là-bas. Parce qu'ils ne sont pas intelligents. Quelqu'un qui est mouton peut être intelligent comment? Depuis quand vous avez vu un mouton être intelligent? Un mouton, il est programmé pour être savouré pendant
dans les fêtes de Tabaski, janvier, Noël, et de Ramadan. C'est clair. Donc, mouton n'a jamais été intelligent. Donc, laissez-nous. Vous pouvez réagir avec vos cornes, vos têtes, avec vos fronts. Il n'y a pas de souci. Mais nous, là, on réfléchit avec nos cerveaux. Niawa. Comme c'est Khalil, il dit de l'inviter chez moi. Ah, mon frère, en Europe ici, là, on invite quelqu'un encore chez son ami. Faut pas chercher ta maison. Hein. Faut rester là pour dire les gens n'ont qu'à t'inviter dans leur maison. Mon frère, il faut chercher pour toi. J'ai trop invité, maintenant je n'invite plus. Niawa. Cherchez pour vous, mes frères. On est là, bon. Cherchez pour vous. Ce n'est pas méchant quand même, mais c'est un fait. En Europe ici, quelqu'un. Il dit, il faut m'inviter depuis quand? Mais après, on est venu en détail. Chacun pour soi, Dieu pour tous, mes frères. On est venu en détail. On n'invite plus quelqu'un. On dit les temps sont durs, vous parlez d'invitation. Je ne veux pas infection, mon frère. Je ne veux pas d'infection. On dit la distance. Moi, je préfère être distant de au moins 6000 km. Ou bien 250 km, je ne veux pas. Il faut appliquer. Oh. Oh. Mon frère, je passe déjà les vacances avec ma femme. Qui passe, vous ne savez pas que Thierry Ibrahim a expédié des tonnes de litres de la fioliste. En tout cas, Gégé, il est prudent. Même dans le restaurant africain, je ne mange plus là-bas. Je suis très prudent. En tout cas, ce que ma femme prépare, c'est ça que je mange. Ou bien ce que moi-même je prépare. Je ne paye même plus nourriture dans boutique comme des Africains. Pas que les gens disent, ah, donner la fiole, comme il a l'habitude de venir acheter ici, quand il vient, donnez-lui ça. Oh, pourtant, c'est déjà infecté. Jamais. Je m'en vais dans les boutiques des Européens maintenant. Je suis prudent. Vous pensez que c'est quoi? Quand tu veux durer sur cette terre-là, il faut être prudent. Je ne vais plus dans la boutique des Noirs. Excusez-moi si le terme est dur. Je m'en vais dans les boutiques des Européens, dans les supermarchés. Je sais que on peut pas piéger. Parce qu'il y a plusieurs supermarchés. La personne même ne sait même pas où je vais d'habitude. Je change tellement de supermarchés qu'on ne peut pas me tendre un piège. Donc, en une boutique africaine, quand il va là-bas, on dit qu'il a pour habitude de venir ici. Ils vont lui glisser un billet de trucs 100 euros. Quand il vient, il dit non, ça c'est bon, hein, c'est bon, il faut prendre. Quand il prend mon frère à Dieu, qui est Gaou, dans un restaurant aussi africain, quand tu vas là-bas, tu passes ta commande. Et puis la serveuse, elle va là-bas.
Pendant qu'elle te sert, elle fait glisser la fiole dedans. Elle dit, ton plat est propre. Tu manges, tu t'en vas à la maison, voilà mot de ventre. Ça tourne au vertige. On dit non, tu as cancer fulgurant. Mon frère. Pour éviter ça, moi-même là, je suis mon propre restaurant. Je mange maintenant la famille. Oh. Oh, non, je dis, je ne réponds plus aux invitations des gens. Quand quelqu'un m'invite, je dis mon frère, faut manger. Moi-même là, je sais m'inviter moi seul. Vous pensez que quoi même? Attendez, je vais vous montrer un peu. Vous rigolez, hein? Vous voyez ça? C'est mon vin mousseux. Ça pèse 4 litres. C'est une grosse bouteille de vin comme ça. Oh, mais je fais. Oh, Niawa. Bisous. Vous voyez ça? Ça pèse 4 kilos. Ça fait 4 litres. La bouteille pèse 4 kilos. Kilogramme. 4 kilos. Donc, quand je vais me mouiller la gorge, je préfère me mouiller la gorge à la maison. Cette histoire de café, est-ce qu'on peut parler de... Je ne vais plus dans l'histoire de café. Il y a Covid et puis il y a Fiole qui défile. Gégé est prudent. Hein? Oh, vous rigolez. Hein? Gégé est prudent. Je suis très très prudent. Ça, quand je vais me mouiller la gorge, je suis à la maison. Je n'ai pas acheté ça aussi chez Noir. Ça, c'est chez les Blancs là. Je m'en vais au fond des trucs, dans les caves des Blancs là, des vieux Blancs là. C'est là-bas que je m'en vais soulever. Elle fioliste, on ne connaît pas là-bas. Il peut pas me piéger. Je paye ça, je viens à la maison. Je me sers, je me mets à l'aise. Ne vous inquiétez pas. Donc voilà, c'est ce que je tenais à vous dire. C'est ce que je tenais à vous dire. Est-ce que vous comprenez? Quand je veux aussi faire truc, voilà, il y a un peu de biscuit pour un peu aiguiser les dents. On est là, bon. C'est très doux. Donc, voici un peu comment ça se passe. Gégé est très prudent. Gégé n'est plus gaou. Je suis iré jusqu'à mon caleçon hier. Est-ce que vous savez? Mon caleçon que je porte là. Les yeux de mon caleçon sont des gars maintenant. Vous pensez que Tien Ibrahim va nous avoir facilement comme ça? Le jour... Les ministres de Côte d'Ivoire, ils ne sont pas prudents comme moi. Ils ne sont pas prudents comme moi. Voilà pourquoi Thierry Ibrahim, il ne cesse de les fioler. Sinon, quand tu es prudent comme l'incontournable, bien, bien compris? Non. Personne ne peut te faire quoi que ce soit. Est-ce que vous comprenez? Donc, si on se laisse, c'était l'incontournable, bien, bien compris tout terrain. L'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas fourreau aux yeux, l'homme qui ne mâche pas ses mots. Merci à tous et à toutes. Et on est ensemble. Surtout, bon dimanche à tout le monde. Ciao.